Léa Ninja, grande, le robot un petit peu fort. Le robot, il pleure comme un bébé. Oui, oui. Il n'y a plus de gâteau pour le mariage du dragon. Il faut en préparer un autre avec l'aide d'une baguette magique. Derek dit au robot de couper un seul arbre avec sa scie pour fabriquer le bâton de la baguette magique. Pendant ce temps, Léa Ninja cherche les ingrédients du nouveau gâteau sur sa tablette. Il faut de l'argent pour payer les ingrédients. Mais la banque de Léa Ninja est fermée à cause des vacances. Alors Derek, le hibou, le robot et l'ours donnent chacun 4 pièces à Léa Ninja. Elle commence à commander les ingrédients sur sa tablette à l'adresse de la fée, www.lafée.com. La fée fait apparaître tous les ingrédients pour Léa Ninja et ses amis. Le robot ramasse les morceaux du gâteau et l'ours les met dans un saladier. Après, le pâtissier mixe la pâte. Le robot verse le sucre, l'ours la farine, Léa Ninja casse les œufs, le hibou verse le lait, Derek ouvre le sachet de levure qui fait gonfler le gâteau très très vite, l'ours prend sa voiture rose et il va dans sa maison et cuit le gâteau dans son four. Le gâteau est réparé. L'ours met des bonbons sur le gâteau pour le décorer. Bientôt l'heure du mariage, il faut se dépêcher. Et tous les amis prennent la baguette magique, Jake en sort pour aller très vite au mariage. Ça prend qu'à savoir. Les amis décorent la salle du mariage avec le dragon. Ils accrochent des ballons en forme de cœur et des guirlandes roses. Les invités arrivent. Il a tonton dragon puis il a tata dragon. Papi Jackie et mamie Annick et que plus que 100 amis. Le dragon fait un bisou sur la bouche de la maman. Les invités dansent le rock, boivent du jus de pomme et mangent de très bons gâteaux. Fin.